Yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'exécution pub. Ceci est une pub. Et ça, c'est ce que je vais lui faire. Kalachnikov automatique de 1947. Chargeur amélioré. Balle chemisée en titane, vitesse de pointe 300 mètres par seconde. Poignée ergonomique. Mire métallique. Crosse réglable. Ça marche aussi comme ça. Aujourd'hui, on va parler des pubs Rosanna. Bonjour, je suis le président de Rosanna. Et en tant que président de Rosanna, je vous promets de vous augmenter en magnésium. S'il est président, pourquoi il fait des promesses ? C'est bon, tu l'as le poste, hein, pas besoin de faire genre. Moi bien sûr qui se présente pour un second mandat, mais de quoi est-ce que je suis en train de parler? C'est une pub pour de l'eau. C'est quoi cette mise en scène façon conférence de presse là, avec l'arrière-plan tout pourri incrusté sur fond vert? Si je suis président, c'est pour vous apporter 160 mg de magnésium par litre. Ouais, je me rends pas bien compte si c'est beaucoup ou pas en fait. En même temps, je me fous des quantités de minéraux qu'il y a dans une eau, hein, elles se valent à peu près tout. Et croyez-moi, cette petite bouteille, c'est une sacrée source de magnésium. Oui, tu viens de le dire. Cette dernière phrase est totalement inutile. Mon magnésium, c'est Rosanna. Ouais bon, ok, le magnésium. Elle est pourrie cette pub, on dirait qu'elle a été torchée en une après-midi, là. Écriture, tournage, montage. Non, les pubs étaient énervantes, mais au moins il y avait une histoire, il y avait quelque chose. Là, c'est tellement vide, quoi. On pourrait résumer la pub comme ça. Ceci est une bouteille d'eau. Bon, il y en a d'autres, on va voir si c'est mieux. Pierre Papillon, vous êtes président de Rosanna, parlez-nous des bulles naturelles de Rosanna. Ouais, ben en même temps, à part dire qu'elles sont naturelles... Rosanna est une des rares eaux minérales naturellement gazeuses. Qu'est-ce que je disais? Elle est pratiquement la seule. Ah, pratiquement. Donc c'est pas la seule quoi, en gros. Non mais dis-le. Vous croyez que les autres sont naturellement gazeuses? Des bulles naturelles et du magnésium, c'est Rosanna. Donc le seul argument de vente dans cette pub, c'est l'origine naturelle des bulles. En même temps, du dioxyde de carbone, c'est du dioxyde de carbone, qu'il soit rajouté ou pas, ça change rien. Non, le seul truc qui importe vraiment, c'est le pH, parce que c'est la seule chose qui change un peu le goût. Puis il y a encore une mise en scène toute pourrie, genre interview politique. Ça me donne pas envie de regarder les autres pubs, mais je vais le faire. Vous connaissez Rosanna? Oui, maintenant oui. Eh bien moi j'en suis pas si sûr que ça. Apprends-moi quelque chose que j'ignore. Vous avez dans votre magasin des eaux qui contiennent du magnésium. Rosanna, c'est elle qui en contient le plus, 160 mg de magnésium par litre. Attends, il a dit par litre? Magnésium par litre. Il peut pas choisir un autre acteur, non parce que celui-là il est naze, hein, visiblement. La nature est bien faite, non? Mon magnésium, c'est Rosanna. Est-ce qu'ils savent dire autre chose que magnésium et bubule dans leur pub? Si seulement ça pouvait être fini. Mais vous savez quoi? Il y en a encore deux. Bonjour, je vous ai déjà parlé de Rosanna. Oui, trois fois, alors que vu la quantité d'informations données, une seule pub aurait suffi. Rosanna est naturellement magnésienne, très magnésienne. Ah, un nouveau mot, ça change tout. Regardez cette étiquette, 160 mg de magnésium par litre. Non mais franchement, cette pub, c'est la même que la précédente avec magnésienne au lieu de magnésium. Bonjour. Vous connaissez Rosanna? Eh bien moi j'en suis pas si sûr que ça. Vous avez dans votre magasin des eaux qui contiennent du magnésium. Rosanna, c'est elle qui en contient le plus, 160 mg de magnésium par litre. La nature est bien faite, non? Ceci est une bouteille d'eau. Récipient d'âge de zoo. Oh, cesse de m'interrompre. Ouais, dis donc là. Qu'est-ce qu'il y a tout de suite? De magnésium par litre. La nature est bien faite, non? Pourquoi il fait un quart de tour comme ça? Non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est incohérent par rapport à la montagne dans le fond, qu'on voit toujours du même point de vue. Passons à la suivante. Vous connaissez Rosanna? Oui, je connais. Rosanna, c'est l'eau qui contient le plus de magnésium de toutes les eaux que vous pouvez choisir. 7 Français sur 10 ont des apports en magnésium insuffisants. Eh bon, ça va, c'est pas ta bouteille d'eau qui va changer quoi que ce soit. Si on veut plus de magnésium, il faut manger une boîte de sardines. Plus de 450 mg de magnésium dans 100 g de sardines, soit 125% les apports journaliers recommandés en magnésium. On dit plus rien, là. Ensuite, vous avez gazeuse, naturelle gazeuse. Venez, je vais vous montrer. Suivez, je vais vous montrer, là. À tes pieds? C'est dégueulasse. Hey, tu veux un verre d'eau?
Non. Ah, t'as tort, elle est pleine de potasse. Là, vous avez des bulles dans l'eau. Wow, wow, attendez. Bulles filmées à la source? Non, mais vous avez vu les couleurs? On dirait qu'ils ont filmé une piscine. Rosanna, on ne lui a pas rajouté de gaz carbonique. C'est des bulles naturelles. C'est de l'eau gazeuse naturelle. Oui, on a compris. La nature est bien faite, non? La nature, ouais, ça va. Tes pubs, non, par contre. Et ça n'a rien à voir, mais est-ce que vous avez vu ces bretelles? On dirait qu'elles sont graduées. Mais c'est pour mesurer mon embonpoint. Ces pubs sont vraiment nulles. Ça servait à rien d'en faire autant, on voit la même chose dans toutes. Non mais regardez cette pub. On voit le plan aérien de la montagne utilisé dans cette pub et celui utilisé dans ces deux autres pubs. On a aussi ce plan absolument pas réaliste qu'on retrouve à la fin de cette pub et celle-là. Cette pub-là aussi réunit les trois en même plan. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le papillon là, on dirait qu'il sait jamais où il doit regarder. Tiens, pourquoi il y a une caméra là? Je dois parler à qui? Là? Là-bas? Ils sont où les gens? Je dois pas regarder la caméra, je dois regarder la cam... non, ah, merde, je l'ai regardé. Ah, elle est où ma bouteille d'eau? C'est bon, elle est là. Oh, je viens encore de... amener une serpillière. Vous savez ce que c'est qu'une bouteille d'eau? Eh bien moi j'en suis pas si sûr que ça. Regardez, dans cette bouteille d'eau, vous avez de l'eau. Cette eau, on ne lui a pas rajouté d'eau, elle est naturellement, naturellement aqueuse. 9 Français sur 10 meurent chaque jour de déshydratation. Quoi? Oh putain de sa mère! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vert sur cette vidéo, un j'aime sur ma page Facebook, et vous pouvez me suivre sur Twitter. Et moi, je vous dis à plus pour le prochain épisode.